Eh bien, salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Resident Evil Remaster HD. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, personnellement, ça va super, ça va nickel. Dans le dernier épisode, on a combattu contre un requin géant. On l'a juste défoncé avec le pistolet de secours, pistolet d'autodéfense. C'est juste carrément puissant. Alors, on va encore vider la baignoire, il va encore se passer un truc chelou. Allez voir, il y a quelque chose dans la baignoire. Oulala. Ok, bon, et en fait il n'y avait pas grand chose. Des racines d'une plante géante. Ok, pas grand chose à faire ici. Alors, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, on va chercher le livre rouge qui m'intriguait. Je vais chercher le livre rouge. D'ailleurs, je l'ai même pas examiné. Je vais aller l'examiner en même temps. Et si j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait. Ah oui, je vais regarder aussi ça. C'était bizarre là, dans le dernier épisode. C'était bizarre. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler un truc. Il y avait des lampes à huile dans les autres. Là-bas, il y avait des lampes à huile dans la grande salle où il y avait les araignées. J'ai même pas regardé ce que c'était. Et d'ailleurs, elles étaient pas allumées. Alors peut-être que je prenne le briquet pour les allumer. Je sais pas si ça va servir à quelque chose en tout cas. Mais ça peut très bien nous être utile. Alors juste, je vais me mettre carrément sur le côté pour éviter que l'autre vienne. Oh là. Je suis en attention, en même temps je me suis pas soigné depuis le début. Ok, alors on va prendre le briquet, on va prendre le livre rouge. On va se soigner en même temps. Voilà, donc alors je disais, on prend le briquet à la place de ça. On prend le livre rouge à la place de ça. Et à la place de ça, on met ça. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, on va combiner avec ça. Voilà. Ensuite, autant que je regarde tout de suite, que j'aille voir tout de suite les lampes, parce que c'est juste à côté, donc autant que j'y aille. Quoique c'était pas là en fait. Je me suis trompé de porte. Je l'avais dit, à force de mettre des portes n'importe où et n'importe comment, à force on sait même plus où on doit aller. Quoi. Enfin, en même temps, c'est un peu ça quoi. Non, depuis le début, il y a ça comme ça, alors faut que je l'enlève. Alors, c'était ici. Je crois qu'il y avait une lampe là-bas. Ouais, là, regardez, une lampe rouge. Est-ce que ça va me servir à quelque chose au moins? Lampe rouge et l'huile est éteinte. Ok. Un œil rouge, d'accord, ok. Ouais. Je dis quoi à propos de ça? Est-ce qu'il y a une lampe en bas ou pas? Là, il y a une verte. Une verte ici. Ok. Donc une verte, ouais, d'accord. Ok, et là une jaune. Ok, d'accord. Est-ce qu'il faut que j'utilise ça ou pas? Non, inutile. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, parce que je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, donc... ce serait bien de savoir, quoi. Ok, alors, donc... On va... Allez, maintenant que j'ai vu, je sais même pas à quoi ça correspond le truc. Je sais même pas à quoi ça correspond les yeux qu'on a vus. Donc tant pis.
On va aller voir un petit peu la porte. La porte. La porte qu'on a vue là-bas. Enfin, la porte. Plutôt les livres. Parce que c'est pas vraiment une porte. Je crois que c'était là le livre, l'histoire du livre rouge, non? C'était où déjà? C'était là, non? Non, c'était pas là. C'était là alors. C'était là alors. Bon. Alors. C'était là. Je l'ai pris avec moi au moins le livre. Ouais. La reliure semble former une sorte de motif. Réordonner les livres. Attends. Tac. Attends. Attends. Ah ok, c'est bon, je viens de comprendre ce que c'était, je viens de voir ce que c'était. Réordonner les livres. Alors. Celui-là, ce sera plus vers le fond. Tac. Ok, réordonner les livres. C'est bon. Oh, porte qui est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Wouah, la musique d'un coup. T'as le truc de dictateur. Ah! C'est quoi ce délire? Je veux pas combattre contre elle, moi. Je suis en train de mourir. J'ai pas pris de vie en plus. Ok, d'accord. Aïe. Aïe. Mais ça c'était pas du tout prévu ça en fait. Tu fais. Aïe. Aïe. Il m'emmène où là? Porte là, je crois que j'ai fait le con parce que je suis allé directement le combattre alors que suis-je. Oh oui, merci mon dieu, il me ramène là. Alors, ça c'est quoi la serrure de la porte? L'utiliser pourquoi il a des 4 2. Là, je comprends rien du tout. Alors, on va se soigner parce que là, c'est mort. On peut pas continuer comme ça. Est-ce que je suis en mode critique ou je suis en mode attention? Déjà, ça c'est en mode attention critique. On va faire gaffe. Je suis en mode attention critique, donc on va faire gaffe. Là, j'ai peur qu'en y allant, là, il arrive à me tuer. Il sera vénère. Alors, j'ai peur que lui me tue. Lâche-moi. Ok. Donc alors, est-ce que... Faut que je retourne voir le... à côté. Vite, de la vie. Vite se soigner. Parce que là... Ok, nickel. Là, je sais pas du tout ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut... C'est un truc à propos des yeux, donc faut que je regarde attentivement les yeux, donc.
donc alors. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ou pas? Ah, attendez, 3. L'autre c'est une verte, 3, 6. Et l'autre c'est une jaune. Alors attendez, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, donc ça serait alors. Merde. Ça c'est la jaune, donc ça serait le 1. Le 3 c'est la rouge. 3 la rouge et bleu la 2. Merde. Alors attendez, lui ça doit être le 1 lui. En bas c'est quoi? C'est jaune, vert. Là c'est vert, donc vert je crois que c'était le 6. Donc ça fait 1, 6. 1, 6, et lui, donc ça fait 1, 6, et l'autre c'était une rouge, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, bon j'espère que ça va être, merde c'est pas du tout par là, ça se trouve ça sera pas du tout ça, mais bon, au moins on tente un truc quoi. Doucement. Mais non, c'est bon, c'est par là. 1, 6, 3. C'est là. Alors le vert, c'est 6. Le jaune, c'est 1. Bon alors là c'est définitif, j'ai absolument rien compris à ce que je dois faire. Bon, j'ai absolument rien compris avec l'énigme. Ouais, là j'ai pas trop compris ce que je devais faire. Un verre. Avec 3 au-dessus et 1 en dessous. Alors je vais le mettre. Vert 3. Alors attends, au pire je vais faire l'œil parce que sinon ça va pas, ça va être encore plus long. Voilà, et là-haut avec l'araignée qui me casse toujours autant les couilles, merci. Et là-haut lui, qu'est-ce qu'il est? Il y en a 2. Et c'est le orange jaune. Alors jaune, on va mettre tac tac. Voilà. Ensuite donc nous sommes ici.
Alors, le jaune, c'est le numéro 5. Le vert, c'est le numéro 6. Et le rouge, c'est le numéro 3. Voilà, donc là j'ai tout. Alors si j'y arrive pas, pas vraiment que je sois con. Voilà. Là j'ai tout, exactement tout ce que j'ai besoin. Et donc je pense que ça peut se faire. D'ailleurs j'ai un petit truc. J'espère que ça va marcher. Après là franchement si ça marche pas ça voudrait dire que je ne comprends absolument pas du tout mais du tout l'énigme et ça m'embêterait parce que du coup on avance pas, ça serait con de pas avancer. Allez on y va, le 10e. Ok bon alors maintenant serrure à la porte, l'utiliser. Alors, celui avec les trois cils, c'est lequel? C'est le vert et il y en a 6. Alors, le vert, il y en a 6. Celui avec les deux, c'est le jaune et c'est 5. Et celui sans rien, c'est le rouge et c'est 3. Eh bah voilà! Putain! Ça marche! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oula! Bouteille vide. Attends. C'est qu'il n'y a pas une bouteille vide ici? C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quelque chose inscrit sur le mur. 1 plus 3 égale 4. 4 plus 6 égale 10. 1 plus 5, 6 égale 7. 10 plus 7 égale 17. 17 plus 3 égale 20. Ok. Alors. Qu'est-ce inutile d'utiliser ceci maintenant? UMD3, prendre. Obtenu UMD3. Ok, donc c'est un bon début. Ensuite, tac. Jaune, en prendre. Oui, c'est encore un bon début. Bouteille vide. Est-ce qu'on peut prendre, remplir la bouteille d'eau? Voilà. Donc là, j'ai plein de trucs. Juste, du coup, il faut que je regarde comment créer du... du star. On s'en fout. Alors, les précédents rapports exposés à la similarité, machin, cependant, en cherchant, on s'en fout. Nous avons découvert que l'UMB20, un élément chimique de la famille des UMB, comporte un composant pour détruire, machin. Nous avons rebaptisé l'UMB20, l'UMB20 donc, il suffit d'un mélange d'UMB et de VP, UMB et VP. Alors, on va continuer à écrire sur le bout de papier, parce que sinon, moi, je vais être perdu. Alors, UMB20, il faut du VP, ok, adéquate, machin. Alors, l'UMB3, c'est le rouge, l'UMB jaune. Ouais mais moi il me faut de l'UMB20. Non. Jaune, UMB7 vert, UMB orange, VP017 bleu. Oula, je sens que je vais galérer. Si on combine ça et ça, ça donne quoi? Oula, du vert, ok. Et, ok donc. Et si on combine avec... Vous n'avez pas réussi à synthétiser. Oh là là, je sens que je vais galérer. Oh là là, je sens que je vais galérer. Ça, vous ne pouvez plus porter d'objet. Ah bon? C'est pas ça que je veux, moi, c'est remplir. Voilà. Donc, on a rempli ça. Ensuite, l'UMB3. On prend. Donc, on mélange celui-là avec l'eau. Ça donne du NP004 qui nous sort bas les steaks royalement. On prend de ça. Est-ce que je peux combiner de ça et de ça? Ça donne UMB10. Ok, ok, ok. Bon. Si on remplit de l'UMB10 avec de l'eau, ça donne quoi?
Ok, bon, bah, on n'a pas réussi à synthétiser le truc. Alors, on recommence. On a réussi à faire de l'UMB10. Alors, ça devrait pouvoir se faire. Hein. Nous, il faut l'UMB20. Donc, UMB3. Attendez. Plus 3 égale 4, 4 plus 6 égale 10. Ouh, je crois avoir compris un truc. L'eau c'est égal à combien déjà? Alors attendez, on a eu le 4, donc ok, l'eau c'est égal à 3, ça c'est égal, non, l'eau c'est égal à 1, ça c'est égal à 3, et ça c'est égal à 6, à 6, ok. Alors là on a le numéro 4. Ensuite, 4 plus 6 égale 10. Bah, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Ça n'a pas marché. Ah, si, ça avait marché, mais j'ai remis de l'eau dessus. Ok, donc là, on a le 10. Ensuite. Ensuite, il nous faut le 1 plus 6 égale 7. Ok. 1 plus 6 égale 7. Donc il faut que je reprenne de ça. Donc le 1 plus 6 égale 7. Prends-le, nom d'un chien. 1 plus 6 égale 7. Voilà. Donc là, on a le 1 et on a le 6. Alors, le 6 combiné avec lui. Donc ça fait du 7, ok. Ensuite, le 10 plus le 7 égale 17. Donc là, c'est le 10... Oula, pas utilisé, non. Le 10 plus le 7 égale 17. Et maintenant, on se trompe pas, hein. Vaut mieux éviter de se tromper. Le 17 plus le 3 égale 20. Ok. Et là, nous avons le Vigolt. Et ben voilà! Voilà, ça me paraît bien tout ça. Au final, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. C'est plutôt pas mal. Juste, on a failli se faire niquer la gueule au début, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner là-bas pour pouvoir ranger 2-3 trucs, prendre de la nourriture, moi, des herbes et tout ça. Et je vais vous laisser là-bas, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un truc que j'aurais voulu faire, histoire de voir si ça change quelque chose ou pas. Mais je suis pas sûr que je vais réussir à le faire. On va voir. Mais que la dernière fois, vous avez vu, j'arrivais à faire un truc ici. Oh là là, il m'a fait peur. Je m'en doutais qu'il allait faire ça, mais je sais pas pourquoi il m'a fait quand même peur, le mec. Lui, il va refaire pareil de toute façon, non? Ok, ça c'est fait. Oh merde. Ah bah non, bah de toute façon je peux pas. Bah là, bah je l'ai bloqué. Putain. Quoique. Oh là là, faut que je l'amène tout là-bas. Allez, c'est parti. Yiha. Allez, vas-y. Push. Tout ça pour faire un petit truc que je suis sûr ça servira à rien. Voilà. On va de l'autre côté. Ok, voilà. On le repousse. Y arriver, vas-y. Bon, on peut. Ok, non, on va quand même le faire encore une fois, sinon je vais pas pouvoir le repousser. Alors, ensuite. Bon, on verra après si ça marche. Parce que si ça marche pas, bah tant pis. Hein. On fera avec. Bon, sur ce, les amis, moi je vais vous dire, j'espère que ça vous a plu.
on a quand même pas mal galéré à faire cette petite énigme, petite mais grande énigme du coup, parce que ouais, on a carrément galéré en fait au final à faire cette énigme, mais j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, le liker et le commenter, moi ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien, allez, salut tout le monde.